Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Et aujourd'hui, je teste un jeu Nintendo. Et c'est quoi? C'est Mario Kart Tour. Parce qu'on en a beaucoup parlé et je me suis dit, eh ben peut-être que ça vous plairait que je teste ce jeu pour vous. Allez, c'est parti, je lance le jeu pour la première fois. Bon, évidemment, je me suis préinscrit et tout, enfin j'ai fait tout. Vous le verrez pas, quoi. Vous, quand vous lancerez le jeu, il y a 2-3 petites actions à faire. Alors, je connais pas comment ça marche. Automatique, manuel. Le kart dérape automatiquement quand il tourne. Balayez l'écran horizontalement pour déraper. Alors. En haut, droite, gauche. Ok. Ok. Donc, le kart, il se déplace tout seul, quoi, ce que j'ai compris, je pense. Voilà. Et moi, je me tourne. Juste. Ok. Placez-vous sur la gauche. Ah, trop sur la gauche là. Ok. Wow. Comment ça marche? Ah ouais, mais. Comment ça marche? Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, ok. Ok. Ah, en fait, faut appuyer, mais comment ça marche? Cet engin là. Waouh, c'est compliqué. De ouf. Ok, je dérape comme ça, ok. Vas-y, prends-le. Ok, tourne dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il part dans ce sens-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est à moi de balayer, quoi. Ah ouais, en fait, faut vraiment que je balaye, quoi. Ok. Ok, c'est bon. J'ai à peu près compris le truc. Bon, j'ai fait une prestation toute pourrie, là, mais... Ok. Alors, on va voir comment ça marche. Ah, trop bien. Alors, vas-y. On va lui défoncer sa petite bouche. Allez. Oula, je lui mets un coup de fessier. Boum en arrière. Boum en arrière. Donc, j'ai loupé le raccourci. J'ai pas voulu tenter. J'ai bien fait. Bon, finalement, ça se prend en main plutôt facilement. Enfin, plutôt facilement. Hein. Il m'a fallu une petite dizaine. C'est frénésie, c'est trop cool ce truc. Il m'a fallu une petite dizaine de virages pour comprendre un petit peu comment ça marchait. Hein, parce que, bah, vous l'avez vu, hein, j'ai galéré. Mais finalement, la prise en main se fait. Elle se fait. Elle se fait bien. Elle se fait bien. Voilà. Alors, je suis premier, Une bien belle performance. Pour fêter ça, comme il se doit, nous allons sortir votre récompense du tuyau. Oula, ça me fait peur, cette phrase-là. Qu'est-ce que tu vas sortir ton tuyau, là? Vas-y. Hourra, buzzer, capacité, balancer une carapace acérée. Droit devant pour disperser vos adversaires. Enfilez vos gants et faites chauffer le moteur. Mario Kart Tour va recommencer. Alors vous avez pas eu, mais moi j'ai eu un petit téléchargement d'une mise à jour. Voilà. Alors voyons voir ce que ça donne. Saison de Paris accessible. Intégrer la saison sans s'attendre et montrer concurrent, blablabla. Et bah allez, hein. On va à Paris. Choisissez soigneusement votre pilote, votre aile et votre carte. Si vous les utilisez sur un circuit favori, vous bénéficierez d'un avantage pendant la course. D'accord. Ah, il y a les frénésies. D'accord, c'est ça, en fait, le truc, ok. Ah non, moi j'ai pris Bowser. Bon bah tant pis, je voulais pas prendre Bowser, mais ça me fera montrer autre chose. Voilà, hop, j'ai soigné une mineure, rejoins la course. D'accord, là on est avec des vrais gens, en ligne. Donc Mario Kart Tour se joue sur internet uniquement, hein, a priori, puisque sinon bah tu fais le mode entraînement. Et le mode entraînement, bon bah c'est le circuit 1 et c'est pas terrible. Et d'ailleurs je crois pas que tu puisses jouer si t'es pas connecté. Alors, donc le kart il bouge tout seul, ça c'était déroutant au début. Hein.
Et c'est parti. Oh, Paris, avec sa musique et son ambiance. Oh, je vais aller acheter ma baguette de pain chez le boulanger, tu vas voir. Je vais passer parfumier. Oh, Yoshi. Oh, ça sent bon, Paris. Promenez-vous. Oh, Paris. Et c'est parisienne. Oh, la tour Eiffel, magnifique. Magnifique. Alors pour ceux qui connaissent déjà le jeu, ils doivent se foutre de ma gueule. Mais moi, je découvre. Hein, je n'avais pas joué à Mario Kart depuis Mario Kart sur GameCube. Oh non, il y a bébé Mario. Bébé Mario qui me l'attrape. Et ça rame avec la capture, j'ai l'impression. C'est moi. Je sais pas. Hop, une petite. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Elle prend les pièces. Je sais pas à quoi ça sert les pièces, mais à mon avis, au fur et à mesure du jeu, tu vas pouvoir acheter des trucs. Ouais, je me suis fait faire mal. Allez, bouge, bouge. C'est moi qui suis premier à Paris. Vous savez, il y a des petites plantes carnivores en face. C'est joli sous l'arc de triomphe, là. C'est des fausses plantes. Elles sont en bois. Pour faire croire. Il doit y avoir un passage caché, je pense, quand elles se baissent. Là. Oula. Oula, je me fais rattraper, là. C'est pas bon, ça. Et en plus, je suis comme un caca, là. Je suis premier. Ouais, des pièces. Génial. Ouais, des pièces. Ah mais oui, mais c'est vrai que dans Mario Kart, plus on a des pièces, plus on va vite. Il y a un truc comme ça aussi, il me semble. Je suis pas total 100% sûr, mais il me semble que si. Quand t'as un nombre de pièces, et bien ton kart, il va un peu plus vite. Allez, je pose ma banane. Banane ! Tu poses de ta banane ou quoi? Tu vois la banane, la frite? Ah, c'est Paris, c'est beau. Avec la petite musique qui s'accélère en plus. Voyage, voyage. Ouais. Et chouette ce petit Mario Kart du coup. Je suis étonné. Regarde, boum. Ouais, je pense qu'il y a un passage secret là derrière les plantes. Tu vois, j'ai jamais joué au jeu, mais je suis sûr, convaincu qu'il y a un truc. Voilà. Starpy 66 qui gagne face à... C'est japonais. Japonais. Augmente le nombre de points en position obtenus après chaque course. Ok. Votre niveau augmenté. Vous avez débloqué une nouvelle catégorie de CC. Ah, la CC, c'est pas bien. Attention. On dit centimètre cube, hein. La CC, c'est pas pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment ça se passe? Faut que je fasse quoi? Je clique. Ah. Alors. Ok. Ok. Grande 4 étoiles permet d'avancer dans les saisons. Super. Vous obtiendrez de grandes étoiles en fonction des points obtenus. Blablabla. Perdez pas des objets. Blablabla. Blablabla. Bah, il a l'air plutôt sympa. Alors, c'est un level 1. Hein, un petit level 1. Comme j'aime à dire. Je vais vous faire montrer une deuxième course. Et est-ce que ce sera Paris? Est-ce que ce sera le lagon de Chip? Eh ben, nous allons direct au lagon. Lagon chip chip. Alors qu'est-ce que 459, qu'est-ce que je fais? Je reprends Bowser, tu crois? Ouais, je vais reprendre Bowser, moi, tu vois, allez. Je me sens bien avec Bowser, Bowser, Bowser. Bowser, le gozerien. Alors, désormais accessible, blablabla. Pouf. Ok. Donc c'est plus difficile. Oui, mais moi je connais pas la course et que je suis un peu. Je suis un peu une chiotte, alors je vais mettre 50 cc. Parce que 50 cc d'adrénaline, c'est suffisant pour le moment. Voilà. Une petite balle de Starby. 3DS, lagon, chip chip. Allez. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Brum brum brum. Oh, je me suis fait pousser, dis. Dès le départ, c'est quoi ces vilains? Comment ils font pour faire des... Moi je sais pas faire ça, peut-être faut que j'appuie sur un bouton au moment de départ. Oula, 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 je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Ouais, de toute façon je pouvais tomber. Ouais.
Eh, tire-moi ça. Premier, voilà. Oula, évite les poissons, évite les poissons. Ouh, évite les algues. Comment on fait pour aller le prendre, ce truc-là? Moi, je sais pas faire. Je sais pas faire. Ah, je fais pas. Non! Oh, je me suis fait taper. Wow. Qu'est pas ça? Je rebondis. Wow. Je vais dans le mauvais sens après. Oula. Je panique, Starpy. Starpy, panique. Ah, il y avait un petit passage secret là-bas. Ouais, moi je prends ça là. Et on y va. Oh, il y a des crabes. Attention, Starpy, il y a des crabes. Je sais pas de quel côté ils vont en plus. Ils bougent. Salaud de crabe. Ah, j'ai touché quelqu'un, je crois, avec ma banane. Tu vois, comme quoi, les bananes, c'est vraiment le truc de merde dans Mario Kart. Mais bon, bah, de temps en temps, ça marche. Hein. Voilà. Ouais, deux tours. Ah, ça se fait que sur deux tours. Du coup, tu vois, les courses sont assez rapides. Je trouve que c'est un bon point pour le jeu, ça, parce que je suis en test, hein, je vous le rappelle. Et je trouve que bah, le jeu, voilà, esthétiquement, il s'en sort pas mal. Il y a eu un peu de ralentissement, mais je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai une capture. Et oui, hein, parce que quand on joue en enregistrant la vidéo, forcément, hein, la tablette, elle a un peu du mal, ou le téléphone, mais là, je joue sur la tablette. Mais dans l'ensemble, boum, putain, je me suis fait toucher encore une fois, tiens, passe par là. Et dans l'ensemble, eh ben, je le trouve franchement pas mal, ce petit jeu. Par contre, de temps en temps, j'ai du mal à caler mon véhicule, c'est-à-dire à garder une route droite. Il y a un fantôme qui me suit, vite, 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 bouge, bouge. Ah, c'est quoi ça? On va mettre de la... Je vois plus rien. Ah, je vois plus rien, je vois plus rien. Je suis le champion leaders. Bon, en même temps, t'as vu, j'ai pas pris beaucoup de risques, je suis resté en 50. T'as vu, je joue toujours avec des Japonais, je joue avec Niku, Mathieu 24, Maxime, enchanté les gars, je vous ai bien eu. Voilà. Et eux, ils ont des personnages que moi, j'ai pas, donc peut-être qu'ils jouent depuis longtemps, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, moi, je vais vous abandonner là-dessus. C'est un petit test level 1. Hein. Je ne vais pas m'approfondir plus sur le jeu. Je pense que c'est à vous d'y jouer. Hein, c'est un jeu fort sympathique. Et agréable. Et à bientôt. Pour un nouveau jeu test pour vous. Ciao, ciao. Ce programme est présenté par Starpy Productions.